5 bateaux patrouille ça yo pour permettre à gens garde côte yo augmenter capacité opération yo dans assurer sécurité à contrôle frontière yo. Comme ça, le gouvernement américain a déjà engagé le pour bailler entraînement et entretien nécessaire pour appareil de production. D'après l'ambassadeur canadien en Haïti, Henri Paul Normandin, l'activité ça a rentré dans le cadre d'appui gouvernement canadien à Haïti et bien inviter l'État haïtien à continuer de travailler pour bailler population en satisfaction. En tant que partenaire international, le rôle du Canada est de vous apporter un appui. Mais ce qui fait la différence ultimement, c'est la volonté, l'engagement et le travail des leaders politiques, des partenaires et des institutions haïtiennes. L'État haïtien doit notamment continuer à investir dans sa police en élevant le budget et les ressources nécessaires. Président Michel Joseph Martelly rappelé la coopération canadienne dans la reconstruction du pays. Chef l'État a quoi il y a un pile de travail qui peut faire encore et puis le nouveau engagement de travail de la population. Ce nouveau bateau, ajouté aux capacités d'adresser les besoins de sécurité dont dispose la PNS, un chiffre, un nouvel élément à l'avènement de cet État de grandes ambitions d'établir en Haïti. En ce pays en niveau d'énergie, merci d'avoir été là pour Haïti, merci d'être là aujourd'hui. De côté par, directeur général police nationale, la Manjou Andresson, dans des agents de côte qui ont capté pour utiliser matériel sérieux pour faire la vaccine. DGPNH a déclaré résultat au mec des fois à cause de moyens qui limitent. Je suis que nous allons rentrer officiellement en position, ne vont pas être concentrés dans le département de l'OS. Ils seront utilisés et de fait, ils l'ont déjà été avant cet événement. Pour répondre aux besoins des différentes structures et gardes-côtes qui sont éparpillées dans les zones côtières du pays dans le cadre d'opérations ponctuelles. Dans le souci de veiller à ce que ces engins soient exploités dans le sens d'un rendement optimal, des instructions fermes vont être passées à ceux et celles qui en auront la charge. Pays Canada, c'est une principale partenaire de code police nationale d'Haïti. Projet de construction base maritime au Kaila, nous remplaçons atelier mécanique dans la base amiral qui est dans Bizoton avec 5 bateaux patrouillés bas à Haïti, venant renforcer coopération pays Canada à police nationale.